Bien tout le monde, c'est Tiob. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cette sixième, il me semble, oui, épisode de Rome de Total War, dans lequel nous jouons les Massiliens. Alors, l'objectif aujourd'hui, hein, c'est de prendre toute la province de Cisalpina. Normalement, il devrait avoir réglé ce problème de son art. D'esclaves à Rome. Non. Mais Rome qui s'est fait bouffer par les Vénètes, hein, d'ailleurs. Ah, c'est dommage pour lui, hein. Ah non, c'est chez moi. Mais pourquoi? D'où? Hein? Quoi? Comment? Mince. Non, c'est moins drôle. C'est pas drôle du tout. Bon, je vais mener la bataille sur le champ, ça va être compliqué. Heureusement, il a pas mal de cavalerie corps à corps qui vont pas trop me poser problème. Et puis, ben, si c'est intéressant, on la joue ensemble, sinon on se retrouve de suite. Ça va être compliqué, hein. On a vraiment des unités assez, assez faibles. Contre beaucoup d'unités entraînées. Ça va être compliqué, ça va être vraiment tendu tout ça. Alors, où est-ce qu'ils viennent? En plus, il y a pas mal d'unités moyennes. Aïe aïe aïe. Ouais. Ça va pas être facile cette bataille, les gars, moi je vous le dis. Oui, merci. Alors on va laisser le hoplite derrière au cas où. On va pas hésiter à canarder au maximum avec nos unités à distance, hein, bien que ça n'en sera pas facile. Là j'ai quelques hommes libres enrôlés. Je vais mettre là parce que je sais pas trop. On va commencer, voilà, on va faire mine d'ouvrir les portes. Ça va être tendu. Ce que je pourrais faire aussi, c'est faire une retraite ensuite stratégique et partir ici. Ah, c'est même pas très bête, hein, en soi. Vous savez quoi? Je tenterai ça. Je tenterai ça parce que je crois tout simplement que je vais pas avoir le choix. Allez, avançons, avançons. Il n'a pas l'air de vouloir sortir ses cavaleries ou quoi que ce soit. Hop. On va faire demi-tour tranquillement. Ah si, ça y est. Il se réveille avec sa cavalerie illyrienne. Voilà, fermons les portes. Ok, il s'est barré. Encore la portée pour tirer pas loin, mais bon, ils sont derrière leurs unités de siège, quoi. Ça fait pas vraiment de dégâts, hein. On voit qu'il y a quelques pertes avec les tours à flèches, mais c'est pas fameux, hein. Il y en a un qui s'est fait sniper, le pauvre. Quelques tirs de fronde. Oh non, j'ai vraiment eu une perte. Voilà, on essaye là d'optimiser un peu les pertes là sur le côté. Encore une sortie ici. Lâchez vos munitions, les gars. Si possible. Voilà, pas sur le. Pas sur les engins de siège. Ça risque d'être compliqué.
Après, là, il se prend quelques tiraliers. Non, ça serait trop beau. Aïe. Je l'ai pas vu ici. Hop, mes frondeurs, je les fais repartir très vite. Voilà, comme je disais. Hop, on va très très vite partir au deuxième point. Ça lui fera quelques pertes. Oh, déjà. Oh là là. On fait partir tout le monde alors. Il est déjà en train de. Mais non. Waouh. Lui, il a pas voulu suivre, mince. J'essaie de faire en sorte qu'il passe, qu'il parte du bon côté, je veux dire. C'est pas gagné, c'est pas gagné, hein. Ceux-ci vont prendre les portes. Non, mais les gars, oh, vous avez quoi? Vous avez 9 de perte. C'est quoi le problème? Non, faut pas déconner non plus. Hein. Au bout d'un moment, je veux bien être gentil là, mais. Hop, allez, on court. Où est-ce qu'ils vont, eux? Je sais pas ce qu'ils font. C'est vraiment pas ce qu'ils font. Ils sont perdus. D'accord, ils vont descendre là. Ouais, non, ils vont pas descendre. Hein. Ah, moi, je veux dire, ils vont garder leur position là. Enfin, les frondeurs qui sont les plus lents. On aura tout vu, les gars. Mais qu'est-ce qu'ils foutent là? Allez, réveillez-vous, quoi, au bout d'un moment. Ah, sérieusement. C'est quoi ça? Hop, 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 hop. Toi. Pff, ouais, ils sont perdus, mais qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Sinon c'est quand ils veulent hein, qui se mettent là. Hein, oh, le temps de réaction. Vous tirez au moins, y a intérêt. Hein. Oui. Au moins c'est la cavalerie qui arrive là. Une porte fermée les pauvres. Si j'avais su, j'aurais emmené le reste de mes frondeurs que de ce côté, hein, parce que là, ça ne nous intéresse pas ce côté-là. Bah, je vais le faire, du coup, hein, vu qu'ils sont tellement lents. Jolie statue. Bien évidemment. Mode garde pour tout le monde. Ils sont toujours là-bas. Excellent. Ouais, on va reprendre quelques points, histoire de, on sait jamais. Avec cette unité-là qui est perdue, tu es perdu. C'est pareil, eux ils sont à la traîne. Alors. Allez, on se dépêche. Oh, ça a du mal, ça a du mal. Donc, je les comprends, les pauvres, ils sont. Ok, on reprend le point là.
Et j'essaierai d'aller là sur les esclaves javelots derrière, ça devrait pas être très très fort au niveau moral. Pourquoi il y a un cheval? Ah oui, non. J'étais en train de me dire, lui, il sort d'où? Après, j'ai compris. Voilà, on va les faire attaquer là, tranquillement. Déjà, s'ils perdent cette entrée, ce serait pas mal. Deux tours à flèche. Tu peux toujours faire des dégâts, quoi. Ça tire là, ça tire pas? Non, ça tire même pas. D'accord. Ok, là, jusque-là, ça tient pas trop mal. On les fait courir. Pourquoi ils passent par là? Je ne sais pas. Ils veulent mourir par les tours à flèches qui sont là. Là, s'ils passent par là, ils se prendront pas de tour à flèche, mais bon, bah, ils sont pas chauds. Qu'est-ce qu'ils foutent? Oh là 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 là, c'est compliqué là. Hein. Ah, je savais pas que c'était si compliqué de. Aïe, oh non, pas eux. Je suis obligé de mettre la pression avec mon général parce que là. Ouais, esclave frondeur. Esclave javelot, esclave frondeur, ouais, esclave. Hop, attention tout de même. Alors on a des. On a quelques unités, hein, enfin quelques munitions. Ouf. On les a vues, hein, les munitions, tombent bien. Voilà, j'aimerais pas être trop trop sous le feu là de ces unités non plus. Hop, les javelots, les esclaves javelots, il faut vite les faire partir. Voilà, ils se reprennent une deuxième salve. Là, au corps à corps, je devrais avoir l'avantage. J'ai l'avantage en nombre, en poids, entre guillemets, hein, et en tout. Allez, t'es un hoplite ou tu l'es pas? Là c'est bien, on fait des dégâts avec mais ils ont plus de munitions, donc non. Hop, donc vite, on alterne. Mais pourquoi? Je leur disais. Mais. Je comprends pas. Bon, de toute façon, ils vont aller derrière, hein, ça fera un peu plus de. D'unité pour garder un moral. Normalement, hein, ça marche à peu près comme ça. Eux, ils ont vidé leurs munitions. Très bien. Hop là. Voilà, là. Ouais, c'est juste histoire de dire on attaque par l'arrière. Oh, doucement, doucement là, on se calme. Putain, ils poussent, c'est. Des vraies autotamponneuses, hein. Il faut pas trop pousser non plus, après vous allez vous faire attaquer par l'arrière. Mes membres de tribu qui ont du mal, hein, face au javelot et face au frondeur, c'était dommage. Non. Non, c'est quoi cette débandade? C'est pas vrai? Non. Mais non, ça passe. Attendez, 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 les gars, si ça passe, c'est la pire arnaque à la banque là. Arnaque à l'assurance, arnaque à tout. Hein. Ça passe. Cette défense, les gars. Oh, je vous la laisse. Obligé, je vous la laisse. C'est obligé. Oh, je leur ai pourri leur morale. C'est magnifique. J'en ai tué 999, juste pour dire pas 1000. Putain, j'en ai tué 999. C'est magnifique, je suis content. Je relâche, hein. Ce sont que des esclaves entre guillemets, donc. Non, non, hors de question. J'ai du commerce avec eux, je suis pas un traître. Moi, il faut vite rapatrier mes troupes à Delminium. Je peux pas ce tour-là, c'est dommage. Je peux monter une armée, oui, je peux monter un.
Lever une armée, je veux dire. Voilà, et je vais prendre quelques molosses mercenaires. Ça devrait faire le café. N'hésite pas à faire une auberge. Voilà, et un enclos à bétail. Ils ont toujours suffisamment de nourriture, pas de chance. Mais bon, c'est comme ça. Je vais voir si je peux attaquer ou non. Ça n'a pas l'air donc. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais partir ici en embuscade. Là, je vais attaquer Medlan. Voilà, je déclare la guerre. Ils sont suivis par les Vénètes, mais bon, ça c'est pas. Ils sont un peu loin. Au pire, c'est pas très très grave. Ils sont pas encore très très forts. Allez, passons le tour. Voilà, il y a deux sièges, un siège à Genua, un siège à Medlan. Et direction Patavium. Pour prendre Cisalpina. Oh, dans son entièreté, bien évidemment. Traité de paix, c'est bien sûr hors de question. Faut pas déconner non plus, quoi. Quelques pertes sur les sièges, genre là par exemple, mieux vaut que je la prenne de suite. Ce sera plus efficace. Cela, ici on va en faire. Ah, j'ai pas assez d'argent. Pas assez d'argent. J'ai pas les technos aussi. On va en faire une province de nourriture. Je pense, ouais. Ah zut, c'est pas grave. Les esclaves. On n'hésite pas à aller à leur rencontre, hein. Voilà, elle on la dissout. Ça sert à rien, elle coûte cher. Elle coûte très cher. Oh la vache. Mais là, comme ça, on est parfait. On attend l'ennemi de pied ferme. Ça, on peut pas le modifier. Très bien. Voyons voir hein, ce que je peux faire avec les autres. Toujours pas d'accord commercial, même si il est un peu moins réticent. Ce sera pas ce tour-là. Olympias. Voilà, tu as volé de la nourriture. Toi, je t'avais totalement zappé. Voilà, tu voleras de la nourriture. Toi, empereur. Parfait. Et les villes coyotes. Stratège. Voilà. Voilà. Non, toujours pas, hein. Les couches, il veut, hein. Il veut me faire rejoindre la guerre contre les couches, mais ça m'intéresse pas. Le principe, les sites. Ça non plus, les insurbes non plus. Résolution auto, allez, ça passe tout seul. Mourir de faim. Ils sont obligés de sortir. Ça me va. On occupe, pas de pillage, pas de rasage. Voilà, même son allié, il cherche à me faire la paix. Ah là là, j'ai encore perdu un enfant. Ah, j'aime pas. Allez, partons sur le bétail, l'agriculture, donc on disait. Voilà. Et ici, on fera un aqueduc. Oui, il me manque une unité là, dans cette mes négociants là. Ouais, c'est bien ça, hein. Il me manque une unité de cavalerie. Ah oui, j'ai oublié de la recruter. Maintenant que j'y pense, il me semblait bien que je devais en recruter une. C'est pas grave. Hop, de la nourriture. Voilà, on a déjà pris Cisalpina. C'est magnifique ou quoi?
Pas vrai, il bouge partout, hein. Retour épidamnos. Là, au niveau d'ordre public, on est en ordre public, on est parfait, quoi. Faut pas un peu moins, faut pas un peu plus, hein. Enfin, s'il faudrait plus, mais faut pas un peu moins. Comment avec les types de jeu, ça se passe. Ça se passe. Toi, non. Ah, ils sont toujours en vie. Hein. On va éduquer. Alors, ah c'est l'adoption, je suis bête. Éduquer. Voilà. Pour rappel, lors de l'éducation, ils reviennent avec deux statistiques augmentées. Enfin, deux points dans une ou plusieurs statistiques au hasard. Ils sont potes avec les trusques? Non, bah non. Ouais, pas ouf. Allez, entraînement de cavalerie. Voilà, on fait des champs, on fait l'aqueduc. Qui es-tu? Que viens-tu faire ici, toi? Je ne veux pas de toi ici. Allez, on va même prendre la ligue étrusque. On va faire tomber la ligue étrusque plutôt, en passant. Ok, on vient d'avoir de débloquer donc les techniques de torsion. Et on va faire artillerie de défense améliorée. Voilà, donc on va pouvoir faire les zones aggro lourds grecques. Ça c'est bien ça. On avance en embuscade de ce côté-là. Aussi. Ouais, juste devant les ponts. Voilà. On a une double embuscade qui est prête. On va voir si elle fonctionne ou pas. Mais bon, on a réussi ce tour, hein, à prendre Cisalpina dans son entièreté. Voilà, donc vu que j'ai laissé la bataille, ça fera un épisode de 23 minutes. Donc j'espère que ce dernier vous aura plu. On se retrouve demain pour le prochain épisode. C'était Chob. Ciao!